légère m'accompagne ce matin. Je quitte Estru. La route est belle. À hauteur du pont de la tannerie, mon cheval se désaltère dans la ture. N'allez pas par là, monsieur ! C'est le petit Joseph Cyprien Charles qui me met en garde. Plus loin, la tour Salamandre, érigée au XIe siècle par la comtesse de Hainaut, se dresse lentement face à moi. C'est ici que je dresserai les bivouacs de mon armée. La nuit sera douce dans l'ancien château des princes de Camaran, à Beaumont. Étrange, la voix de cet enfant me trotte encore dans la tête. Mais qu'a bien pu vouloir me dire ce jeune effronté ? On n'arrête pas l'empereur.